Ah bah le mec il jette rien, ça se trouve il a des trucs vintage et tout, c'est qui qui va le trou du pognon maintenant. Ah bah il a des vinyles et tout, ouais. Bon, c'est le dernier essai, après j'arrête. Ouais, enfin après des vinyles, il y a vinyles qu'ils ont et vinyles qu'ils ont encore. Je suis pas sûr qu'un 33 tours de Michel Sardou, ça aille beaucoup de fric quoi. Non, faut attendre que ça dépend si c'était un collector et tout ça, je sais pas. Peut-être, mais. Pour ça, j'ai dit je suis pas sûr. Peut-être. Après, je vais aller retravailler un petit peu mon layout pour le finir complètement. Déjà, quoi. Ce bruit. Ah, mais quand tu vois normalement le prix des vinyles et tout ça, quoi. Enfin. Oh, je sais pas. Moi, ça m'a. Tout un carton de vinyle qui servent à rien, qui traîne dans le garage. Ça m'énerve. Le vinyle, c'est comme le marché du rétro gaming. C'est le même problème. C'est que ça redevient une mode, et tout le monde veut, et tout s'en va à prix d'or. C'est complètement absurde. C'est toi qui es absurde. Ah, mais. C'est l'offre et la demande. Mais c'est pareil, bah oui, c'est ça. Non, et par contre, tu as des gens qui sont assez dans le garage, payer, en plus, pour payer 100 balles pour avoir un vinyle à la con. Il n'y a pas Oh, encore un gold split. À côté, il y a le vieux tourne-disque. Hein. Ah bah oui. Merde. Le sur ton lecteur MP3, il passera pas de toute façon. Dis, on sait jamais. On sait jamais si un jour, on doit ressortir les vinyles. Non mais. Non mais c'est bon. T'es pas de merde. Il n'y a pas un vieux gramophone non aussi, hein, pas le truc qui doit être 19e siècle, c'est trop cool. Je sais pas, mais il a de tout. Il me fait juste halluciner quand je vois des fois le truc. Ah mais je te dis, t'appelles M6 un jour où c'est. Il a tout dans les caisses. Un jour vous en avez marre, t'appelles M6 à 13 ans dans votre maison, je suis sûr que t'as du pognon à te faire. Ça sert à rien. Vous me triez toi-même et revendre. Bah, c'est de l'argent plus en cher. Ouais, je sais, mais justement. Après, faut savoir. Non, mais ça se trouve, t'as des trucs, tu sais même pas ce que ça vaut. Quoi. Tu te doutes même pas que ça vaut du pognon, c'est ça, des fois aussi. Tout, quoi. Et des gens t'inquiète comme ça, pas, qui ont des ça même pas. Ouais, s'il y a un truc qui va aller cher chez moi, je le saurai. Ah, c'est pareil, hein. De toute façon, c'est pas avec les meubles, par contre, je vais me faire du fric. Hein. Ah merde! La commode Conforama date pas des années 50. Hein. Tu crois? Mais! Allez, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? 1, 2, 3, 4. Et on a de la chance. Ça fait quoi? Tu joues à quoi, Zof? Steam World League 2. Ah, tu fais le speedrun? Ouais. En esquivant les boss? C'est ça. T'en esquives combien de boss? Hein? Tous sauf le dernier. Ah, tous sauf le dernier, c'est vrai? Non. Je suis pas. Zof il a le world record et il vient de le rebattre encore. Il y a une demi-heure. Tu suis pas Caramel, tu suis pas. Non, je suis pas trop fait les sens. C'est un peu décevant quand même. Marc c'est pas passé aux infos, mais on le sait. Voilà. Moi, si ça passe pas sur BFM, tu vois, je regarde pas. Je suis un mouton aussi. Je regarde que BFM moi. Ou Jean-Pierre Pernod aussi. JPP. Pardon. JPP. Ah mais c'est pas. Tu sais c'est là que des fois j'ai l'impression que je suis vieux. Je dis quand je vois sur internet des gens qui écrivent JPP pour dire un peu plus, je me dis mais pourquoi ils mettent JPP? Pourquoi ils. Pour moi JPP c'est Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre comment? Papin. Ah, moi je pensais Pernod plutôt. Non, Pernod. Là, je connais Papin aussi. C'est pareil. Pour moi, JPP c'était Jean-Pierre Papin. Reviens, JPP, reviens. Reviens. Pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah bon? Ah, ok. Bon, c'était ce qu'il disait.
Bah là, je peux plus esquiver parce qu'il y avait d'autres qui arrivaient de l'autre côté, je pouvais rien faire. Bah, il y a Jean-Pierre Pernaud là, c'est pareil, il se fait appeler JPP. Oui, mais je sais. C'est, mais c'est pas le même. Ah, c'était mieux ça. Parce que moins bien au foot. Je joue moins bien au foot. Et l'autre, il présente moins bien. Enfin, Pernaud, niveau prononciation. Enfin, Jean-Pierre Pernaud, moi, une fois, je l'avais vu. Je l'avais vu en vrai, hein, à Disney avec sa femme. Avec sa femme et ses deux gosses. Ah, c'est des gosses. Ah, je l'avais vu à Disney avec sa femme et ses deux gosses. C'est un truc de fou. J'ai même cru qu'il y avait des gosses. Ouais, t'as vu ? Bah, moi, une fois, j'ai vu Dorothée. Et tu l'as. Merde. Et quand tu l'as vu, t'as fait. Hey, salut JP, tu m'invites quand ton émission ? Ouais, bah, moi, j'ai vu personne alors, ok ? Non, même pas. Juste, je l'avais vu, c'est tout. C'est parti de Pierre Chancherie, ok ? Attends, c'était mon voisin. C'est ça ? Jean-Pierre Papin. Enfin, c'est un homonyme, mais c'est comme. Le vrai, c'était le vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais t'avais pas l'ancien entraîneur de Lens aussi, mon voisin ? Une époque où mon père j'ai quand... Parce qu'en fait, le village où j'habitais, c'est là où le RC Lens il avait ses maisons pour les entraîneurs, tout ça, quand ils se débarquaient. Ils avaient pas de logement encore. Oh, en fait. Non, mais peut-être il les a tous connus en fait. Ah, c'est une vedette, attends, il a participé au défi. Il est connu dans le showbiz en fait. Peut-être il a participé au défi. T'as jamais raconté ça ? Non ! Peut-être, faut que tu me racontes ça, c'est énorme. Non. Peut-être il dit pas. Dis ! Dis ! J'ai tourné avec des acteurs, des chiens. Non, voilà. C'était pas pour les déchiens. Oh ! Je n'ai pas les déchiens. Dis ! C'est une star, Peupette. Il fait pas que de la moto. Si, je les ai emmenés faire un tour. Oh, ils ont un peu flippé. Hein. Je vois même pas quoi vous parlez là. J'en viens faire un tour. Normal. De JTP. Quelle bande de casse-couilles ces putains. Non, mais après c'est parti sur l'acteur. Que peut-être il a tourné avec l'acteur de je sais pas quoi là. C'était des chiens. Parce que je sais plus, c'est toi qui disais que t'avais rencontré Jean-Pierre Pernaud et sa femme à Disney. Donc tout le monde faisait son. Moi j'ai rencontré lui, j'ai rencontré machin. Ouais. Et on a découvert que peut-être était son acteur international. Je sais pas quoi là. Moi j'ai rencontré la boulangère ce matin, elle m'a vendu du bon pain. Ah ouais, ouais. Moi je me suis fait doublement enflé aujourd'hui. Je suis allé au cinéma, ils ont augmenté le tarif réduit du lundi. Ils ont augmenté 2 euros, j'étais bien. Ils ont augmenté le tarif réduit. Il n'y a pas de problème dans les montées. Bah non. Le tarif réduit normal. Avant le tarif réduit du lundi, tu payais 5,50 euros. Et maintenant il est moins réduit. 7,20 euros, c'est enculé. Ah bah il est moins réduit du coup. Ah c'est le tarif normal quoi. Ah non, le tarif normal c'est 9,90. Ouais, c'est au moins 10 balles maintenant que tu as le cinéma. Et après je suis encore fait enfuir. La boulangère elle a montré ses miches. J'ai pris un frappé, ils m'ont servi moi, un autre. Pour dire, j'ai toujours payé 3,50€ la place de ciné. Hein. Ah bah, ça fait longtemps que t'as pas été au ciné alors. Ça va faire longtemps que t'es pas au ciné alors. Non. Si. J'y suis allé il y a 3 mois, j'ai payé 3,50€. Ça oh, mais c'est le petit cinéma de ville ça. Ça coûte moins cher. Ça c'est tu. Non, le petit cinéma de ville. Dans la salle des fêtes, ça compte pas comme un ciné. C'est ça. Ils ont reçu un nouveau film et ils ont passé le corneau. Non mais ils ont reçu la nouvelle bande. Non. Si je peux expliquer avant que vous disiez les conneries. Bon, c'est pas notre job. En fait, il y a le. On prend des tickets pour le ciné avec le boulot du CE. Enfin avec le CE du boulot de mon père. Ouais, mais si avec le CE, on les paye 3,50€. Oui, 3,50€ la place. Donc voilà. Oui, mais. J'ai toujours payé mes places de cinéma 3,50€. Non, mais du coup, tu mens. Voilà. C'est pas le tarif du cinéma, c'est le tarif réduit parce que. Ah non. J'ai des détails. Attends, Caramel.
Caramel, je n'ai pas dit comme quoi les places de ciné sont à 3,50€. J'ai dit comme toi, moi, je paye mes places de ciné 3,50€. Mais c'est oh là là. Oh là là. C'est triché. C'est différent, non, je suis désolé. C'est triché quand même. Les dessinés sont à 3,50€. Si c'est comme ça, moi je l'ai payé à 3,50€. Moi j'ai payé 4 là, il y a là. À une époque, je payais rien. Quoi. J'avais la carte à la carte de pâté là. Et au final, à force, ça me faisait chier, j'allais. La plus. Carte de pâté. Tu peux pas dire que tu payais rien, tu payais l'abonnement. Bah tu sais. Tu payes l'abonnement 20 balles, au bout de 4 places, c'était rentabilisé. Donc au final, tu payais pas grand chose. Ah, mais si tu vas que 2 fois dans l'année, t'as payé 10 balles ta place. Ah, bah si tu vas 2 fois dans l'année, oui. C'est pour ça que j'ai arrêté à la fin. Mais en fait, Andal connaît l'ouvreuse. Son père, il connaît l'ouvreuse, c'est pour ça que. C'est ça. Il est pas crédit. Il lui a racheté un écran d'ordinateur pour mettre dans son garage. Ouais, parce qu'il n'y a pas besoin d'écran d'ordinateur, il va au cinéma s'il va en plus passer dans l'écran sur le projecteur. C'est ça. On a un écran et deux câbles. Aïe, aïe. Et une place de ciné. Moi j'ai le droit qu'à une chance là-haut du coup. Hop. Non, mais avec le. Attends, mais avec le CE du boulot de mon père, on fait plein de trucs sympas. Hein. Attends, c'est quoi? Tout le monde a pas la chance d'avoir un CE. On fait déjà tout ça, ils sont allés au Futuroscope. Bon, moi j'ai pas pu y aller malheureusement. Ils sont allés au Futuroscope. Ouais, tu fais des trucs sympas si t'as pas été quoi. J'ai fait un truc super sympa. Bah non, là c'est bon. J'ai pas pu y aller, mais la fois encore avant, on était allé à Port-Aventura, là j'y étais allé cette fois. Bon, là j'ai pas pu y aller non plus, mais. Ah, c'était trop bien, je suis pas allé hein. J'y étais allé. Tu sais, Andam, moi aussi je fais des trucs sympas. J'y vais pas, mais c'est sympa. Merde, non, pour Aventura, j'y étais allé pour Aventura et. J'ai pas ouais, un voyage à Haïti. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est excellent. Je vais regarder combien de temps j'ai mis déjà. J'ai pas visité Disney World, c'est dommage. Voir. Merci. Dommage. Pour l'autre coup, il y avait la grosse cagnotte à l'Euromillion. Je l'ai pas gagné, mais c'était sympa. Non, au total, attends. Franchement, 5 numéros et 2 étoiles près, vous avez quoi. Au total, on a fait 2 fois Port-Aventura, on a fait Port-Aventura. 3 fois Disney. Port-Aventura. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Disney, on a fait 3 fois, on a fait Parc Astérix, on a fait 2 fois. Mais comment tu te la pètes? Oh là là, bonjour, je me la pète et tout, j'ai fait Titan de Paris, j'ai fait tout ça, là, blabla. On y va. La fois où j'étais à Bagatelle. Parce que c'est Théo qui. J'ai pris un hit à la toute fin. Oh putain, Bagatelle quoi, ça fait tellement longtemps que j'avais pas entendu ça. T'as voulu faire un pari et t'as raté ton pari. Bah attends, tu sais, j'ai habité dans le Nord pendant longtemps quand même. Je sais. Non, en fait, j'ai fait du jeu. Y'a aussi Belloward. T'as pris un hit tout à la fin, c'est ça que t'as dit. Puis j'ai eu le. Oh là là. J'ai pris un hit tout à la fin. Que t'as tué le boss. Ouais. Ça par contre, c'est quoi ça? C'est un rabat mort. What? C'est un rabat mort. Un rabat mort. Un rabat mort. Ah mais t'as eu une promo avec le CE, t'as eu moins 30% sur les PS. Moins 50% sur les FPS, allez hop. Ça coûtait rien, c'était gratuit. Mais j'y ai pas allé ce coup-ci. Ouais, moi aussi. La prochaine fois. Ça va pas assez. C'est juste le dernier hit qui m'a fait. Oh, Futuroscope. Futuroscope, on l'a fait une fois. Donc, enfin, on l'a fait. Moi, j'y suis pas allé. Donc, voilà. On l'a fait. On l'a fait une fois, mais j'y suis pas allé. Qu'est-ce qu'on. On a fait 2 fois le plus du fou. On a fait 2 fois. Oh non. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Camping des flots bleus. Mais à chaque fois, ce qui est trop bien, c'était qu'on paye pas. Les flots bleus. Si, ils sont bleus. Ah si, moi les flots bleus, j'ai pas payé. Moi les flots bleus, j'ai pas payé. On m'a filé des jetons, j'ai pas besoin de payer. Comme quoi. Non, mais des fois, la vie est belle. Voilà. Et c'était pas grâce au CE. C'est le CE qui paye. C'est pas grâce au CE. Le CE, c'est lui qui. C'est les fonds. C'est pris sur les fonds du CE en fait. Ils économisent et puis de temps en temps, ils organisent comme ça des sorties.
Ah, c'est trop bien. Et allez. Ah ben, je vois un oui, c'est trop bien. Ah, si, j'étais fou, tu as sorti du mec en fait. Trop bien, le perso. Ouais. Le seul truc que j'avais au CE quand j'étais gosse, c'était le Noël. Pareil. Voilà. J'avais le Pin Sparrow de Jean-Michel Larquet. Comme quoi, ouais, j'ai... moi j'ai vu Père Noël. L'armée, c'est des putains de radasses quand même. Tout à fait, tiens. L'armée. En CE, ils s'en mirent plus. Donc on a 10 sous à Noël. Des chèques cadeaux. Bon, après toute l'année on a les pièces de ciné aussi. J'en ai eu des chèques, je sais plus quoi. C'était quoi ce que j'ai fait là? J'avais gardé pour les pièces de ciné, tout ça, c'est qu'il y a un CE, non? Il y a pas de CE? Ah non, c'est tarif réduit de lundi. Ouais, je crois que c'est fini pour ce. Non, mais je parle de TFR. TFR qui dit comme quoi lui aussi il a les places de ciné, je me trompe pas. C'est qu'il a le CE, ça veut dire? Bah oui, j'ai un CE. Je suis dans le champagne, moi, madame. C'est quoi? C'est comité d'enculé. Oui, je suis ban. Parce que j'allais dire 7,20€ la place de ciné avec le CE, c'est que c'est carré. Comité d'enculé. J'ai jamais dit 7,20€. Non, mais je dis, moi, ça aurait été, j'aurais eu un CE avec qui je payais 7,20€, c'est que je faisais 5€ en plus. Bah, c'est toujours moins cher que nous, c'est 10 ou 11€ au ciné, la place. Hein. Et oui, je suis de ban. Attends, mais pourquoi tu dis de ban? Des ban. Des ban. Parce qu'il était banni. Parce que t'étais banni sur Twitch. Bah oui, c'est un paradoxe de ban. C'est ce que j'étais en train de penser en fait. J'ai fait ça, je suis ouf. Qu'est-ce que c'est de ban. J'allais balancer mon. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, Sylve, pour être ban? J'allais balancer mon. Spécial, et puis bah. Justement, c'est la question que je suis en train de me poser. Si vous aviez suivi Discord. Ouais. Hein? Voilà. Voilà. Ah bah, ce truc que j'ai. Mais ah, ça va, on a le droit de. C'est bien beau de parler du CE, d'aller piquer des PC et tout ça, et puis ça se. Mais c'est le seul truc que j'ai reçu du Discord, c'était le Quignon de Pain. Le Quignon de Pain, mais voilà, c'est pour ça. Il a été banni à cause du Quignon de Pain. Ah lui, il est pas allé chez ses parents à 3h du matin pour aller racheter une souris. Non, pour récupérer un Quignon. Et récupérer un écran au passage. Il avait faim. Alors c'est vrai qu'il a été bougé. Non mais sérieusement, il a fait quoi c'est lui en fait? Ben demande lui. Nous on n'a pas le droit de balancer, on n'est pas des putes. Non, pas du tout. La première chose qu'il fait quand j'arrive, c'est tiens, t'as pas raconté son histoire vraiment. Ah mais je comprends rien, s'il y en a un autre qui arrive et qu'elle raconte son histoire, je la mute hein, cette fois c'est sûr. Moi je connais. Mais non mais elle raconte tellement de bien. Ah mais elle a oublié tous les détails, le chien de merde qui a pas gueulé, tout ça, la vieille qu'elle a agressée. Elle oublie plein de trucs quand elle raconte tout ça. Ah ouais, c'est ça. Mais t'as déjà oublié? J'y suis allée, j'étais hyper discrète. J'étais tellement discrète que même la chienne elle m'a pas entendu. Sylve il dit qu'il a la flemme, il me laisse expliquer. Même, je vous laisse expliquer. Bah, expliquez alors. Finir. J'ai pas envie. Ils ont la flemme d'expliquer. Il a la flemme. Il nous laisse expliquer. Il est où le machin? Voilà. Ça va être répété, déformé, amplifié. Il a streamé un jeu. C'est pas grave. Il a streamé un jeu qui était pas censé streamer tout de suite. Ah, Mario? Un jeu qui n'est pas sorti encore. Non. Ah, le truc du Mordor là. Seigneur Zano, c'est ça? C'est ça, ouais. Il me semble bien que c'est ça. Les grosses licences. Le fait de streamer un jeu qui n'est pas encore sorti. Oui, c'est le motif de ban, ça? Bah, ça me semble logique. Oui. Ça te reprend. Tu reprends. Donc, ça sera pas le premier à le faire, hein. Bah ouais. Sûr. Après tu parles à une personne qui va piquer des aigles de nuit. Tu vas y en la choc mais. Pardon. En fait imagine les voisins ils auraient entendu, ils auraient fait des flics. Oh, c'était marrant descendre de flics chez les parents. T'es. Elle s'est arrêtée, retrouve au commissariat, t'es. Mais non, venez prendre une souris. Putain, il y a eu un nouveau clip. Non.
J'espère que tu vas le poser. Attends, il fallait même oublier la lumière dans la salle de bain que je leur ai éteint. Oh, c'est tellement sympa de ta part. C'est comme ça qu'ils ont su que t'étais passé. Ah bah oui, attends. S'il te plaît, hein. Tu sais, il y en a qui sont morts pour moi. Ça marche, il va dans une heure. Ah, dans une heure. Il attend son Eden. Dans une heure, Philippe. Mais, bah, ouais, moi, je leur fais. Je leur prends un écran et une souris, en échange, je leur fais économiser de l'électricité. C'est rentable, non? Bah, non. Pour toi, oui. Mais non, putain! Oh là là, mais c'est débile de se tromper de menuing comme ça. C'est peut-être un truc pour assurer les chiens ou pour lutter contre les cambrioleurs. Ouais, puis je pense pas qu'on a encore 250€ d'électricité. Vivé la nuit, quoi. C'est une série d'amis avec les Américains, là, il y a une... Un truc de pompier aux États-Unis, t'as une ampoule qui est allumée depuis des années. Ça ouais. Jamais éteint. J'ai entendu parler de ça. L'ampoule s'est jamais éteinte. Ouais, il faut jamais l'éteindre. Oh mon merde, il faut tout retenir en plus. C'est la flamme olympique. Ah bah ouais, c'est ça. Ça doit coûter cher en facture, mais bon. C'est l'ampoule olympique, c'est ça, faut jamais l'éteindre. Exactement. Sinon ça va dérégler la planète. Et après il te parle de réchauffement climatique. C'est une ampoule centenaire. Elle brillerait depuis 1901. Elle a une puissance de 4 watts. Elle doit pas éclairer grand chose, je pense. Elle va finir par cramer surtout. Non, bah justement, elle cramera pas tant qu'elle sera pas éteinte. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Parce qu'en 1901, on savait faire du matos qui durait, hein. Pas comme maintenant. On savait, parce que tu as participé au moins. Moins qu'on. On savait, allez, quoi, à l'époque. Ah, de mon temps. Mon temps, on savait faire du matos. Ah putain, je déteste cette phrase. Quand les deux sont périls, c'est à de mon temps, c'était pas comme ça. Oui, bah, de mon temps, c'est pas. Moi, j'ai pas 70 ans, ok. Ah bon? Eh non. Non, j'ai même pas besoin de me baisser. Mais t'en as passé 80, non? Pas loin. Alors, essayez d'être un peu moins insolente. Tu rajoutes 10 et t'enlèves 50. Un peu de respect pour les personnes âgées, s'il vous plaît. Pardon. Espèce de petite conne. Après qu'il pète les plombs. Non, je ne trouve pas. Mais laisse-moi pas de neige. C'est un peu ça, les vieux. Regarde-moi ça, c'est jeune, quoi. À notre temps, c'était pas comme ça. Hein. Ah, mais là, attends, je trouve que je suis hyper respectueuse. En fait, c'est un gros avantage à être vieux. Et tu peux dire toutes les saloperies que tu veux, personne ne te dira. Oh, ouais. C'est sûr, il y aura juste que t'es fou, mais c'est pas grave. Ça fera plaisir. Attends, je suis hyper respectueuse, au contraire, ouais, je te rajeunis. Quand 80 ans, tu vas avoir un mec dans la rue qui te connard, tu te dis ta gueule. Je vais juste éviter de le faire. Et de toute façon, j'ai pas l'arme qu'il faut pour faire ça. Mon deuxième arme, c'est la tête chercheuse, donc. Il voulait faire tous les rangs S en les git. Ah, ça, c'est par contre ce bug là, les chiens. Sans le blagueur. Bah, s'il y a plus de blagueur, c'est nul. Non, tu veux qu'on rigole? C'est drôle. Allez. Rire. Ah. Non, je vais pas dire que drôle. Devant. C'est plus comme les jeunes de maintenant. Ouais, ça fait rire les jeunes de maintenant. Ah merde, putain de gueule. Mais sinon ouais, je connais la technique sans blague. C'est juste que je me force pas à le faire.
De toute façon, je te dis, une fois encore, j'ai pas l'arme plutôt pour le faire. Donc, là, comme j'ai pas équipé le bon truc, ça risque pas de marcher. C'est une des maths. Ça. Puis ce serait dommage, il te reste plus que lui à faire au lit. Ouais. Parce que t'as même pas marqué que tu faisais les rangs S. Si, j'ai marqué. Non. Non, on termine le mode expert, mais tu l'as déjà fini depuis longtemps le mode expert. Ah oui, bah du coup, bah je finis, bah non, je l'ai fini là tout à l'heure, il y a quelques combats quoi. Oui, oui. Mais t'as tout fait en S. De quoi on termine le mode expert? Désolé, mais je suis plus le blogueur, mais je te dis. Merde, ah putain, du coup, j'aurais des questions à côté. Plus que quelques rangs S, c'est marqué. Ah non. Non. T'es pas à jour là. Ouais. Ah. Allez, bah, je vais maintenant, il faut attention à rien. On termine le mode expert, c'est fait. Tu retardes, c'est faut faire gaffe. Il est jeune, il y a la technologie. C'est, pas... c'est dingue ça. Ah, ça c'est dégueulasse par contre. Ah là là, putain. Hein, piquer des souris, il y a du monde. Hein. Ouais. On s'en servir, il n'y a plus personne. Bah normal, elle casse les tétons. Donc... Mon nouveau surnom, on m'appelle Téton Cassé. Téton Cassé. Quel surnom à dire. Mais. Ah. Après, Téton Furieux, Téton Cassé. On va essayer de faire le boss skip. Téton Furieux, toi, je l'ai pas vu passer. Ouais, Téton Furieux. Peut-être. Oui. Téton Furieux. À toi de raconter l'histoire de Téton Furieux. C'était magnifique, quoi. C'est juste un pseudo que j'ai vu sur Rocket League qui me fait marrer. C'est ça. Oh, c'est cool. Ouais. Non, à lui dire, on avait pectoraux qui étaient pas mal. Ah, c'est vrai qu'il y avait. Oh, ouais, il y avait plein. Il y avait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ouais. C'est vrai. C'est un classique. Ah, c'est ça, l'autre. Comment on fait le pari, mais c'est vrai la gueule. C'est la première fois que j'ai deux fois du même endroit, du coup, ça m'a un peu perturbé. Il y en a un, son pseudo, c'était hier soir ta mère. Ah, du coup, quand tu marquais un but, ça faisait hier soir ta mère a marqué. Énorme. Ah, c'est génial. Oh putain, tu... Ah, je l'avais pas entendu celle-là. Elle est jolie, hein, j'avoue. Je l'avais pas entendu celle-là, toi. Tiens. On bien que ça va. Eh merde. Allez, rentre. Et là par contre ça m'arrange pas. Oh le jeu qui lague. Ça fait longtemps que le vortex ça quand même. C'est que là, je peux pas eu pas. C'est vrai que ça te l'avait fait la première fois que j'étais arrivé au dernier boss. C'est vrai que ça te l'avait fait aussi la première fois. Ouais, en régular, la première fois que j'étais arrivé. Ouais, c'est avec les sprites qui sont un peu trop lourds. Oh putain, c'est dégueulasse, j'ai même pas le temps de bouger. Trop d'effets. Ouais, toi, ouais. Mais là, tout à l'heure, que je l'avais fait, ça l'a fait qu'une fois ou deux. Hein. Oh, je suis arrivé à plein de fois ici. Hein. Après certains jeux, tu comprenais rien, t'envoyais les trucs avec toi. Bon bah ça va être revoir le record encore hein. Ah bah je... Ah tu lui pourrais faire les gaffe quand même. Mais ça on peut les autres un peu. T'as réussi à skipper la phase. J'en ai skippé une ouais. Ah j'ai... Alors le record et bah c'est off. Deuxième phase c'est off. Troisième phase bah, c'est off. Et ça va... Et ça va surtout c'est être... Bon. Ça va surtout être sa 29. Ça va être 29. Ah génial. Ça, c'est vrai.
Ouais. Ouais, clairement. Top 29, quoi. Rappelle-moi, le jeu est sorti quand, hein. Il est pas un mois. Il est sorti il y a deux semaines. C'est ça, ce que j'avais dit, il y a deux semaines. Les mecs ont déjà trouvé des strats pour passer tous les deux. Quoi. De faire ça, putain. J'ai vu bien, en fait, vraiment, je commence à... je commence à sentir qu'on peut faire un sub 28 en fait. Ouais. Ouais, il est reparti pour faire un sub 28, il a fait un sub 28 dans le jeu. Il a pas eu le temps, en 2 heures il a battu 2 fois le record du monde. Et puis une soirée il faut battre les records du monde ce soir. Pas grave, pas bon bah 28-58. J'ai... Et merci les gens. Yes. Le jeu, je vais trouver un glitch qui fera qu'il gagnera 10 minutes. Déjà ça, ça a déjà été le cas, hein. Hein bah, c'est sûr, si tu peux. Si tu fais des glitches qui nous appellent boss, tu vas gagner plus de 10 minutes. En fait, on... bah déjà de base, je pense que 3 jours après la sortie du jeu, on a trouvé un. Enfin, il y a un mec qui a trouvé un glitch qui permet de skipper le premier boss. Ouais, j'avais entendu ça. Il y a un autre truc qui permettait de skipper le deuxième boss aussi. J'avais trouvé. Et j'en ai arrêté là. Ah. So cool. Chier, là. I got the first sub 29. Ah mais il est chiant, hein. J'ai à peine le temps de tirer dessus, après il me fait chier. Allez, go. Pas tout de suite. Ah putain, mais je pouvais rien faire. Oh, t'aurais pas pu faire ça hier soir. Ouais, franchement. Putain, je peux trouver à chaque fois ici. Putain, je tourne à coup. Ah non. Et Béromundo, il a validé une run en 4 Gold Star. Bah, voilà. En 2h13. Et en 30 minutes, tout psy. Je pense pouvoir faire ce 28.